bienvenue dans cette émission Une ville, mille visages, consacrée au Luc en Provence. Située au nord-est de Toulon, près du massif des Maures, peuplée de 10 000 habitants, cette ville attire les touristes venant ou arrivant de Saint-Tropez. Je vous propose de découvrir le domaine de la Mourigue, un domaine viticole, puis nous irons ensemble chevaucher sur la route pour rencontrer une école d'équitation. Ensuite, nous irons nous restaurer dans un restaurant populaire, La Petite Bouffe, et nous irons juste à côté au musée du timbre. Mais tout d'abord, je vous propose de partager une interview avec Madame Hélène Saragosi, qui est la gérante de l'office de tourisme du Luc. Nous sommes ici avec la responsable de l'office de tourisme du Luc, Madame Hélène Saragosi. Donc j'ai déjà une question à vous poser. Quelles sont donc les origines de la ville du Luc? Alors le Luc, les origines en provençal Loulou, et le nom ancien était Lucus, qui veut dire bois sacré. On pense que les bois étaient dans la plaine bien sûr, et à proximité de la source de Pioule. Quels sont les sites remarquables, les monuments de la ville du Luc? Alors, les monuments sont divers, bien sûr. On va quand même parler déjà de là où on est, qui est le château des Vintimille, qui a été construit en 1600 par les comtes de Vintimille et qui a été, on va employer un mot actuel, relooké en 1900 et morcelé. Vous avez dû vous apercevoir qu'il y avait le lavoir qui fait partie du château des Vintimille. Et il faut savoir aussi que devant l'espace qui est devant l'office, les jardins étaient faits par le nôtre. Nous avons aussi notre tour hexagonale qui a été faite en 1516 et finie en 1546, qui mesure 27 mètres de haut, qui a été fait sur plusieurs étages avec un escalier intérieur et qui était une tour de guet. Il y a aussi une autre tour, je crois, la tour de l'horloge. Et il y a aussi la tour de l'horloge, alors qui là fait partie du Moyen Âge, puisque c'était une tour ou qui reste en vestige du château des Masques. D'accord, il y avait aussi une ancienne prison à côté. Et il y avait la prison qui était à côté. C'était le Castella que l'on visite et qui a été bien relooké maintenant avec les rues refaites, etc. Et le Castella et le château ancien. Et après, ça s'est déplacé vers la plaine. Pour terminer, quel est donc l'aspect touristique que dégage la ville du Luc? Alors, touristiquement, il faut savoir que nous faisons partie de Cœur du Var. Le Var est coupé en 8 départements. Nous sommes Cœur du Var. Nous avons le fleuron du Var chez nous, qui est l'abbaye du Toronnet, il ne faut pas l'oublier. Pour le Luc, touristiquement, nous sommes un réservoir. Une fois que la côte est pleine, et c'est nous qui remplissons. Arrière-pays. Arrière-pays. Il y a du monde. Nous avons quelques infrastructures, chambres d'hôtes, etc. Les gens recherchent surtout, c'est ce qui nous pénalise le plus, l'eau quand ils viennent en vacances. Mais nous avons une piscine municipale avec 4 bassins, une pataugeoire à la base de loisirs pour pallier à ce manque d'eau. Il y a beaucoup de manifestations l'été, que ce soit culturel, que ce soit pour les jeunes, que ce soit du folklore, que ce soit à l'église, nous avons de tout, pour que les gens puissent profiter gratuitement de toutes les manifestations. Eh bien, ce sera donc le mot de la fin. Je vous remercie, Hélène. Nous sommes donc ici au musée du timbre, à l'intérieur du château des Vintimille au Luc. Monsieur Fabric, pouvez-vous nous parler de l'histoire de ce musée? Oui, le musée a été créé
en 1986, à l'époque par la région. L'idée était née le jour du premier jour du thème région, à Marseille. Et donc à l'époque, Michel Peset était président de la région, du conseil régional. Et donc l'idée avait été émise par un philatéliste et ça l'avait intéressé. Dans un premier temps, le musée devait s'installer à Château-Arnoux, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ça n'a pas pu se faire. Donc le Luc a été retenu et le château a été réhabilité spécialement pour l'accueillir. Quelle est donc l'histoire du timbre ? Alors l'histoire du timbre en France commence le 1er janvier 1849. En Grande-Bretagne, ils nous avaient précédés, ils avaient fait leur premier timbre en mai 1840. Donc avant le timbre, le port de la lettre était payé par le destinataire. C'est celui qui recevait la lettre qui payait. C'était peut-être une garantie que le courrier soit distribué. Peut-être. C'est sûr. Donc à partir du moment où le timbre a été émis, alors avant le timbre, le coût du port d'une lettre était fonction de la distance et du poids. Lors de l'émission du timbre, il n'y a eu plus qu'une question de poids. La distance était uniforme. Quelle que soit la distance, on payait 20 centimes pour une lettre jusqu'à 7,50 g. Au-delà, c'était 40, puis ça a progressé. Du jour où on a mis en place le timbre poste, on a pu assister à un essor du courrier, notamment du courrier commercial, qui a été grandement facilité par ce prix uniforme. Est-ce que dans votre musée, il y a des expositions temporaires ? Oui, alors donc on a une partie fixe qui est didactique, qui reprend un petit peu l'histoire du timbre, sa fabrication, les techniques de l'impression, et une partie temporaire, renouvelée tous les trimestres, qui aborde trois aspects. Donc la philatélie classique, la philatélie marcophilie, donc c'est-à-dire les lettres, et la philatélie thématique. Et le dernier trimestre, on essaie de promouvoir une association spécialisée. Ça peut être spécialisée dans les timbres de l'Arctique, des terres australes, spécialisée dans les timbres de Grande-Bretagne, d'Andorre. Ça fait voyager. Ça permet de voyager et de découvrir surtout d'autres philatélies. Donc, dans le cadre de ces expositions, on a pu présenter aussi bien une exposition de coquillages avec des timbres et des vrais coquillages, une histoire du vélo, tous les sujets ont été abordés, les Jeux Olympiques, les marques postales du Var, des Bouches-du-Rhône, puisque le musée a vocation régionale, donc de la Corse aussi. On a pu parler du courrier de la Deuxième Guerre mondiale, enfin, on a essayé d'aborder. Ça s'est diversifié, tous les thèmes sur l'histoire, géographie. Tout ça. Et il reste des thèmes à développer. On n'a pas de souci à se faire de ce côté. Une vraie richesse, je pense. Il y a beaucoup de philatélie, avec beaucoup d'aspects de la philatélie. Quel est votre timbre préféré, le plus original ? Alors, je n'ai pas vraiment de timbre préféré par son originalité ou par sa rareté, mais il y a un timbre que j'apprécie. C'est celui qui a été émis pour l'abbaye du Tournai. Je l'apprécie, parce que l'abbaye du Tournai est un monument magnifique. C'est des trois sœurs cisterciennes de Provence, c'est la plus belle. Et ce timbre, c'est surtout le musée qui l'a demandé, qui l'a obtenu. Donc c'est un petit peu une réussite du musée. Eh bien, message bien envoyé. Je vous remercie, Monsieur Fabreg, d'avoir partagé cette interview dans ce musée. Je me trouve donc ici au restaurant La Petite Bouffe avec la gérante, Madame Irène Laurent. Irène, pouvez-vous nous parler de votre restaurant ? Ce restaurant, nous l'avons depuis 1980, c'est environ 30 ans. Nous l'avons ouvert avec mon mari. C'est une cuisine traditionnelle, conviviale. Nous faisons tout maison, ainsi que les légumes qui sont bio du jardin. Tous les jours, le menu change. Nous avons plusieurs menus ainsi qu'une carte. C'est diversifié. Et très diversifié. Et les desserts sont faits aussi maison. Voilà, nous continuons, espérons que ça va tenir encore longtemps. Je me trouve donc ici avec Patrick Laurent, le restaurateur de La Petite Bouffe. Donc, Monsieur Laurent, qu'est-ce que le métier de restaurateur et l'image de votre restaurant ? Le restaurateur, c'est un métier qu'il faut avoir envie de faire, déjà. Surtout avoir l'envie. Si on n'a pas envie, c'est même pas la peine d'essayer. Et il faut vraiment y croire. Accepter de travailler pendant les autres, ça m'aise. Oui, beaucoup de patience aussi, voilà. Pour les horaires aussi. Voilà, les horaires très souples, et puis ne pas compter ses heures, et ça va s'adapter à tout
tous les moments de l'année. Quelle est donc l'histoire de ce restaurant? L'origine, il y a 50 ans, c'était un laboratoire photo. Un laboratoire photo donc, était transformé par mon prédécesseur il y a 31 ans. Il en a fait surtout un endroit où on pouvait emporter des pizzas, des poulets rôtis, des sandwichs, et que j'ai transformé dans l'état actuel en restaurant. Comment est disposé votre restaurant? Le restaurant, c'est surtout une salle à manger au premier étage, et la terrasse pour l'été devant bah, des tables sur le trottoir, certes, mais aménagée avec goût, des parasols, des napperons, tout ce qu'il faut pour bien manger et que ce soit agréable à voir. Et qu'est-ce que vous proposez comme spécificité dans votre restaurant? Ça va du sandwich simple, jambon beurre, jusqu'au menu à 25 euros. Si un jeune venait ici demander conseil, qu'est-ce que vous lui conseillerez? De faire des stages pour savoir s'il a vraiment envie de le faire, s'il a envie de continuer, surtout si c'est un jeune, s'il a envie de continuer à travailler pendant les autres s'amusent. C'est surtout ça, ce principe et la base de départ est là. Donc je vous remercie Monsieur Patrick Laurent d'avoir accepté cette interview à la petite bouffe qui porte bien son nom. Nous sommes donc ici à l'école d'équitation du Luc avec Madame Pérez Diane qui est la gérante de ce club équestre. Pouvez-vous donc nous parler de votre passion pour les chevaux, pour le monde de l'équitation? Ben effectivement, donc c'est un sport de passionnés. J'ai beaucoup d'enfants. En général, je prends les enfants à partir de 6-7 ans, mais j'ai également des cavaliers qui ont 70-75 ans. Et pour persévérer dans ce sport, effectivement, il faut être passionné. Parce que c'est un sport qui demande énormément de concentration, beaucoup de travail, il faut venir très régulièrement. Et puis il y a cette complicité avec l'animal que beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes recherchent. Voilà, on est dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Même aujourd'hui, vous voyez, il fait très chaud, tout le monde est quand même à cheval. Voilà, c'est vraiment un métier et un sport de passionnés. Et l'école s'est créée depuis quand? Nous avons ouvert avec Monsieur Marion en 97. Voilà, mais depuis son décès en 2004, j'ai repris toute seule. Donc, d'accord. Je continue. Et vous avez combien d'adhérents, plus ou moins? J'ai à peu près tous les ans entre 130 et 150 adhérents. Voilà, de tout âge, énormément de filles. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on est la première fédération française au niveau du sport féminin. D'accord. Ça attire effectivement beaucoup de filles, de jeunes femmes, de femmes. Très bien. Un petit peu moins de garçons. Bonjour Jean-Marie Kerr, vous êtes donc le régisseur du domaine de la Mourigue. Donc j'ai déjà une question à vous poser toute simple. Qu'est-ce qu'un viticulteur? Donc le viticulteur est la personne qui cultive la vigne. Et après on peut parler d'un terme un peu plus complet qui est le viticulteur vinificateur, qui est donc la personne qui cultive la vigne et vinifie son vin. Le viticulteur se résumerait à dire que c'est la personne qui plante la vigne, qui la cultive et qui amène le raisin à maturité. Quels sont donc les grands travaux de la vigne en fonction des saisons? Alors si on démarre par la saison automne-hiver, qui est le début du cycle de la vigne, donc c'est la taille. La taille qui démarre en novembre, qui se termine en général en février ou mars. On fait également des travaux de réparation des palissages. Il y a toutes les opérations qui suivent la taille également, qui sont le broyage des sarments. Une fois que les sarments sont broyés, on attaque la période pré-printanière, où la vigne démarre sa végétation. Donc là, les premiers traitements phytosanitaires arrivent. Ensuite, la végétation, la vigne est une liane, donc la végétation va assez vite. Et on va dire qu'au mois de mai-juin, vous avez une grosse période de travail qui nécessite quand même des grosses équipes de saisonniers pour les bourgeonnages, qui est une période qui dure à peu près. Donc c'est une sélection des meilleurs bourgeons et une sélection des bourgeons fructifères, parce que naturellement la vigne produit plus de végétation
Il y a plus de bourgeons qu'on lui en demande. Fin printemps, début été, vous avez toutes les opérations d'essimage qui sont, grosso modo, on pourrait dire, pour résumer, qui reviennent à tailler la vigne. Puisque sinon, la vigne, si vous ne stoppez pas la croissance de la vigne, elle ne s'arrête plus. D'accord. Et ensuite, on arrive sur la période de maturité du raisin, qui est juillet-août, et septembre, la période des vendanges, qui est une des périodes cruciales du cycle de la vigne. Quels sont les conseils que vous donneriez à un jeune qui désirerait devenir viticulteur ? Bien réfléchir à ce qu'il veut faire, d'être sûr que c'est sa passion, qu'il y a un réel intérêt, parce que ça demande un investissement énorme. Comme je l'ai dit avant, je considère ça comme des métiers passion qui demandent un investissement à 100% dans ce qu'on fait, qui sont très prenants en temps, qui sont assez fatigants suivant les périodes. C'est sûr, tout à fait. Qui ont des conséquences non négligeables sur la vie privée. C'est des métiers qui sont très intéressants du fait de la complexité et de l'aspect vigne, de l'aspect vin. Je pense que c'est des beaux métiers dans lesquels il faut se lancer. Pas hésiter si on est sûr de soi, on va dire. Quel est donc l'avenir de cette vigne et de votre domaine ? Alors, pour ce qui est des Côtes de Provence, c'est plutôt positif. On sait que le marché mondial du vin est assez compliqué. La concurrence des vins du Nouveau Monde, la France prend de plein fouet cette concurrence-là, parce que des vins de qualité arrivent sur le marché français et international à des prix qui sont beaucoup plus compétitifs que les vins français, notamment par le fait de nos coûts de production et des coûts de main-d'œuvre. Pour ce qui est de la Provence, qui est un milieu un petit peu spécifique en France, puisqu'on est la région numéro un producteur de rosé, et que le rosé a vraiment le vent en poupe depuis quelques années, l'avenir aujourd'hui est plutôt positif si on sait produire des vins de qualité, et si on a un peu d'intelligence commerciale et qu'on s'intéresse un peu au marché étranger. C'est un tout. D'accord. C'est venir avec des produits de qualité, avec des jolies bouteilles, donc tout l'aspect marketing, et puis l'aspect commercial, c'est-à-dire évidemment il faut passer du temps, il faut investir sur la prospection, sur la visite de nouveaux marchés, etc. Voilà. Mais c'est, pour ce qui est de la Provence, c'est à mon avis un métier d'avenir. Très bien. Donc je remercie Jean-Marie Keff, régisseur du domaine de la Mourigue au Luc-en-Provence, de nous avoir apporté des précieux renseignements sur le monde de la vigne. Ainsi s'achève l'émission Une ville, mille visages consacrée à la ville du Luc en Provence. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines émissions.